parfaitement à jeun. Vous me voyez surpris de ne pas trouver mon lit ici. Parfaitement à jeun, je le vois qui recule, je le vois qui bascule aussi. Guili, 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 viens là mon petit lit. Si tu ne viens pas à moi, c'est pas moi qui irai à toi, mais qui n'avance pas recul. Comme dit monsieur Dupeneu, un mec qui articule et qui est chef du contentieux. Parfaitement à jeun, je reviens d'une belle fête, j'ai enterré Huguette ce matin. Parfaitement à jeun, j'ai fait semblant de pleurer pour ne pas faire rater la fête. C'était tout en noir, les voisins, les amis, il n'y avait que moi qui étais gris dans cette foire. Il y avait beau maman, belle papa, j'avais pas vu Mirza. Et puis monsieur Dupneux, qui est chef du contentieux. Parfaitement à jeun, en enterrant ma femme, j'ai surtout enterré la maîtresse d'André. Je ne l'ai su que ce matin, et par un enfant de cœur qui me racontait que sa sœur. Enfin, il me reste deux solutions, ou bien frapper André, ou bien Juniafé, la femme d'André sur mon balcon, ou bien rester chez moi, feu cocu mais joyeux, c'est ce que me conseille André, André, André du peu de, qui est mon chef du contentieux. Parfaitement à jeun, vous me voyez surpris de ne pas trouver